Salut YouTube, c'est parti, le cinquième et dernier monde de Crash Bandicoot 3. On va récolter les 5 derniers cristaux et battre Cortex, tout simplement. T'as joué à MXGP? Non. Non, j'ai pas joué à MXGP. Le seul jeu de moto que j'ai joué, c'est sur The Crew 2. Les motocross de The Crew 2. Ah oui! Et donc du coup... J'ai déverrouillé un pouvoir. Voilà. Quand je vous dis que c'est cheaté. Maintenant, on va pouvoir éliminer toutes les caisses, tous les ennemis à distance. Ah bah c'est sûr que MXGP, c'est mieux pour faire de la motocross, ça c'est clair. C'est un jeu qui est fait pour. Là où The Crew 2, c'est vraiment du... Tu peux faire un peu de tout. Donc ouais, lui il lance les missiles, je me souviens. Et après, faut le défoncer. Ah, je peux même lire. Ça a une énorme portée, je crois. Est-ce que je peux avoir le checkpoint de là-bas? Ah non, je crois que les checkpoints, on peut pas les défoncer à distance. C'est la seule contrainte. La face Twitch bug sur mon vieux tel. Ah, c'est un Android combien? Tu connais la version de ton Android? Parce que moi j'ai eu des soucis, ouais, pareil sur ma tablette. Qui était sous Android 4. Je sais même pas. Tu peux aller voir normalement dans les options du téléphone. Tu vas avoir ça d'indiquer quelque part à propos du téléphone normalement. Non mais c'est cheaté le bazooka. Hop là. C'est trop bien. Ah, bazooka, c'est les vacances hein, dans ce jeu-là. C'est vraiment les vacances. Quoi? Attendez. Ah ouais, je l'ai loupé celle-là. Je l'ai pas vu. Et du coup, il y en a une troisième quelque part. Parce que là, il manque une caisse en haut. Ah oui, on récupère même les fruits à distance aussi. Et c'est marrant parce que quand j'étais môme, je pensais toujours que quand on tirait avec le bazooka, ça dépensait un fruit du compteur. Mais en fait non. Android 5, ah bah ça doit être pour ça, ouais. Regarde si tu peux pas mettre ton Android à jour. Parce que je sais que Twitch il aime pas trop les versions en dessous de 6, je crois, 5. 5 ça commence à être un peu vieux pour Twitch. Oh, elle est où cette dernière caisse là? Oh, c'est jamais obsolète un téléphone. Même quand tu peux plus mettre à jour, tu peux le mettre à jour. Moi j'ai mis à jour ma tablette comme ça, qui était forcée à rester sous Android 4, et j'ai mis un Android 7 dessus, je crois. En la flashant. Ça a un nom, ça a un nom. Ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Faut le router, voilà, router ton téléphone. Tu tapes route la référence de ton téléphone et puis tu regardes un peu ce que tu peux faire. Ah, c'est ça le problème de Google, c'est que, ou même des constructeurs en général, c'est que allez, au bout de 2-3 ans, ils disent par contre il est obsolète, il va avoir 13 ou... Comment ça 13 ou 14 ans? Comme téléphone. Ah bah non, bah attends, c'est pas possible. Comment tu peux avoir un Mac avec Android dessus? Après pourquoi pas hein.
Ah, je parle plus du tel, d'accord. Ah oui, mon Mac, par contre, j'ai mal lu, désolé. 13 ou 14 ans. Ah, ça va. Putain, j'ai cru que j'allais défoncer la TNT. Ouais, autant pour moi, j'ai mal lu. Non, crash. Voilà. Ah merde, du coup là aussi il fallait activer quelque chose. Oh. Bon, on n'aura pas toutes les caisses. On n'aura pas toutes les caisses aujourd'hui. Allez, niveau bonus. Parce que moi j'ai un autre PC dans mon atelier. L'atelier informatique. Il a, je crois, ouais, 13 ans, quelque chose comme ça. Et il tient encore plutôt la route. École en 2013. Ah ouais, en 2013, Windows 98. Ah bah c'est ceux qui voulaient pas forcément investir. Ceux qui voulaient pas forcément investir dans du nouveau matériel. En même temps, si c'est pas nécessaire. Après, 98 en 2013, c'est chaud quand même. Ta 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 ta. Bon, je prends toutes les caisses, mais bon, c'est inutile vu que j'en ai loupé sur le chemin. 2 ans après, tous les PC 9 Windows 10. Allez, va! On refait tout le parc. Checkpoint. Non, non, non. Ok. Ah, il n'y a plus besoin de sauter. On peut tout avoir au bazooka. C'est craqué. Ah, ici, il faut la gemme verte. Tiens, là. Ah oui, c'est vrai. Avec lui au bazooka, on peut le retourner. Et reface 3D. Pourquoi ils ont refait tout dans l'ancienne école? Ah bah à force, on va avoir des tablettes. Les écrans tactiles à la place des tableaux. Je sais que ça commence à se faire dans certaines écoles. Ah bah je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai dit quand j'étais petit, moi dans ma logique c'est je tire, c'est une munition, ça enlève un fruit ou pas. Mais même pas en fait. Pour ça que c'est complètement craqué. Ouais, du coup ça l'aurait rendu moins craqué. Mais là même pas, c'est. Tu défonces tout. Tout simplement. Donc là j'ai des tablettes. Ouais voilà. Bon, on y vient, hein. Tablette. Tableau interactif. Tant mieux, ça allège les cartables. Allez, niveau 22. Oh non, 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 non. Oh non. Je suis vraiment obligé de le faire. Oh putain. Oh là là. C'est vrai qu'elle se déplace maintenant les voitures de flics. Ah, encore la moto qui pèse son poids. L'autre il passe carrément sur le bas-côté. Rien à foutre. Oh, la moto de ses morts. J'en peux plus. Mais arrête de.
Non, ça c'est abusé. Comment ça va pousser quoi? Ah bah c'est loose hein. C'est complètement loose. Putain, y'a un trou ici. Y'a un trou là. Là y'a un turbo caché, je l'ai vu. Je coupe bien un troisième. Ah, l'arrivée elle est là. T'as si l'autre il m'avait pas poussé, c'était bon. Enfin, on va le refaire, putain. Oh, je déteste les niveaux de la moto. Non, après. Ah bah ouais, elle a l'air cool hein, comme ça, mais bon. C'est pas parce que la DeLorean elle est cool qu'elle est rapide pour autant. Hein. Je rappelle quand même qu'elle a un moteur Renault sous le capot. L'habit ne fait pas le moine. Non, 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 non. Arrête. J'ai pas pris le turbo, putain. Oh là là, mais arrête de pousser, putain. Arrête. Oh. Chier. On le fera après. Quel plaisir. Allez, Flaming Passion, ce sera toujours mieux. Ah, je peux même faire ça normalement. Hop là. Plus de flammes. Non mais le bazooka c'est cheaté. Ils auraient dû le rendre moins cheaté que ça quand même. Ah ouais, moi je me gêne pas. Hein. Hop. Voilà. Genre lui il m'emmerde. Salut. Voilà. Tu mettras plus le feu au poudre. Le cristal. Ah, oh, celui-là on va le... Allez. On va lui laisser sa chance à lui. Merde. Voilà. Après le truc c'est qu'en mode relique, évidemment qu'on peut pas utiliser le bazooka vu que faut sortir, viser, éliminer l'ennemi, ça demande beaucoup trop de temps. Ah, je peux le buter carrément comme ça. Bon, je savais pas.
Oh, une tête de mort. Est-ce que ce serait pas la gemme verte? Ah bah, gemme verte. C'est bien. En même temps que les cristaux, on prend toutes les gemmes de couleur. On aura moins de travail à faire plus tard. Ah, ça, je me souvenais plus. Checkpoint en métal, ça veut dire qu'il n'y a pas de caisse à ramasser ici. A priori. Oula, oula, oula. Bon bah toi, salut. Hein? Pourquoi se compliquer la tâche? En vrai, je pense que les niveaux étaient designés avant d'introduire la mécanique de bazooka. Là, par exemple, ici, je peux pas utiliser le bazooka. Et la gemme verte, parfait. Et on va retourner au niveau. Ah bon? Ah du coup je reviens là. Bah pourtant j'ai fait une glissade. Et en plus il découvre. Putain. Il y a tellement de trucs pas logiques qui viennent de se passer là. Bon tant pis. Il va falloir refaire le niveau. C'est pas grave. Hein. Ta 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 ta. Voilà. Ça va, il est assez court. Bon, je me ferai pas voir deux fois par contre. Voilà. Chut. 26. Ah, mais y'a quoi là? C'est dégueulasse ça! On voyait rien. Okay. Vite un checkpoint. Je viens de me rendre compte que j'ai fait le sens inverse, putain. Je suis trop con. Bon, après j'ai pris des caisses. Donc finalement, c'était pas si déconnant que ça d'y aller en marche arrière. Ah ouais, là, gros facepalm, hein. Putain. Mais au moins j'ai eu la caisse, donc j'ai pas fait demi-tour pour rien finalement. Après, des caisses, il y en avait ou pas? Bref, j'ai aucune excuse. J'ai aucune excuse. Allez, le niveau bonus. Je sais pas pourquoi, je vous jure, hein, j'ai pas tilté. J'ai pas tilté quand l'ennemi, il faisait son attaque, mais dans le mauvais sens. Je me dis, mais c'est bizarre ça. Ça arrive jamais d'habitude. Non, c'est juste moi que je suis con. Ça arrive, ça arrive. Bah, c'est pas un Bandicoot, on va dire, d'origine. Il a été muté par Cortex dans le premier.
Non, mauvaise idée, ouais. D'abord, on va passer de l'autre côté. Ah bah, il y a des vides dans. Incroyable. Il m'en manque une. Voilà, c'est bon. Et normalement, il y avait 5 nitros en arrière. Hey. Mais montre-toi, putain. Ah, je peux pas la voir. Tant pis, on va y aller à la régulière. Ouf, ok. 69 sur 75. Bon, visiblement, j'ai loupé des caisses. Et visiblement, faut péter les bazookas du niveau bonus. Faut péter des nitros du niveau bonus au bazooka. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas la caisse verte de fin de niveau. Ok, on y retournera, c'est pas grave. L'important, c'est que j'ai eu la gemme verte. Ah, encore un niveau avec les avions. Cette fois, c'est Crash. On va jouer. Alors combien de caisses ici? 11, comme tout à l'heure. Alors attention, parce que je crois que les niveaux, les avions dans ce niveau-là sont un peu plus agressifs. J'ai l'impression qu'on les one shot. Je suis à 5. Allez. Mouaou. J'ai laissé une caisse de soins quand même. Sait-on jamais. Allez hop. En combien? 2. Celle-là, ça fait une. Ah, d'accord, 87%. Putain, j'ai plus beaucoup de vie. C'est bien, mais avec mon tel, c'est 30 minutes. Ah, ça dépend. Il y a des batteries qui vieillissent mal. Ouais. Ça finit par venir tôt ou tard. Alors, il manque une caisse encore là-bas. C'est une caisse de soins, je vais aller la prendre tout de suite. Allez. Voilà. Donc j'ai la gemme, maintenant il faut péter les deux avions. Et le dernier il est là-bas. Mmh.
Et voilà. Ah, je y rame un petit peu. Et le niveau 25, le traditionnel niveau dans le noir. Parti. Après, on fera évidemment le niveau de la moto. J'ai hâte. J'ai hâte de le refaire, le niveau de la moto. Crash, Coco, attention. Ce n'est pas seulement le docteur Cortex qu'il faut attaquer. Méfiez-vous de Uka-Uka. C'est un ennemi bien plus dangereux qu'on pourrait l'imaginer, mes enfants. Oui, bah. Je peux l'objectif c'est de taper Cortex quand même. Bref, c'est parti. Alors là ça va, on voit encore quelque chose ici. Mais ça a pas duré longtemps. Paf. Pourquoi s'emmerder? Voilà, et là maintenant. Et là maintenant ça se corse. Enfin, ça se corse, ça va. Au début, ça va. Vite, 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 vite. Je vois plus rien. Attendez, je regarde si j'ai loupé quelque chose en arrière. Super important. Non, j'ai rien loupé. Et en plus, ici, je peux pas y aller parce que c'est comme le dernier niveau dans Crash 2. Il faut ramasser toutes les gemmes de couleur pour aller là. Et il m'en manque. Et il m'en manque une. Il me manque la jaune. Voilà. Elle est où la nitro que je me suicide là? Ok. Bon, du coup, bah, ah oui. Ici, c'est trop marrant. Les trois masques. Et c'est parti, on va tout défoncer. Voilà. Ah, c'est rigolo. Ah, il est tombé. Le niveau bonus, oui, tout à fait. Je sais pas si je peux avoir toutes les caisses du premier coup. Normalement, oui. Ah ouais, bah oui. Je vois plus rien, au secours. Je tombe. Alors, comment je pourrais faire pour perdre le moins de temps possible sur les 4 caisses qui sont en bas?
Oh merde. Je voulais pas la trigger maintenant. Il y a 3 nitros. Ah non, mais en fait, tout est là. Merde. J'ai tombé. Je sais plus comment on fait pour avoir toutes les caisses ici. Après, les niveaux bonus, je peux mourir autant de fois que je veux. Ça me fait pas perdre de vie. Et il y a 6 nitros, normalement c'est bon. Merde, j'ai oublié le trou. Putain. En fait, la première fois que je l'ai fait, c'était bon. La première fois que je l'ai fait, c'était bon. Niveau bonus. Je gère. 34. Là. Les pommes, elles indiquent qu'il y a un saut. Voilà, parfait. Par contre, est-ce que c'est comme le niveau de tout à l'heure? Est-ce qu'il fallait péter les nitro bazooka ou est-ce qu'il y aura une caisse à la fin? Non, pas comme ça, par contre, s'il te plaît. Te plaît le jeu. Cristal est... Ah merde. Je voulais rusher du coup. Je ratterris. Oh ça va, je ratterris pas loin. À quelques encablures d'ici. Est-ce que je peux l'avoir l'autre là-bas? Ça n'a pas l'air. Voulu forcer. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à... Il y a une petite ambiance. Et ça, la prochaine Luciole était pas loin. Osef des fruits. Allez, dis-moi que j'ai les 120. Yes, ça c'est bon ça. Ça c'est une bonne nouvelle. Tomb Raider quand même, bazooka. Non mais là sur le genre de niveau ça aide bien quand même. Le cristal et la gemme des caisses. Parfait. Et bah du coup voilà quoi.
La moto de ses morts. Parce que vous savez très bien que dans les jeux vidéo, si vous ne gagnez pas la course de moto, eh ben vous ne pouvez pas affronter le boss. Eh oui, c'est logique. Crash, il doit être bon à tout, hein. C'est pas que il doit pas être que bon aux plateformes, hein. Il doit être bon même en moto, hein. Il doit être bon partout. Il doit prouver qu'il est le meilleur. C'est ce qu'on voit. Mon dieu. Là par contre, en vrai, je suis bien parti. Pas que lui me pousse. Arrête, arrête. C'est bon. Il y en a encore un à doubler là. Faut pas que je prenne deux trous. Surtout pas. Putain, ici j'ai eu peur. Hein. J'ai eu très peur. Merde. J'aurais voulu prendre le turbo. Loupé. Voilà, dans le virage, prendre le turbo, c'est la pire des idées. Mais je suis premier du coup. Là, ça doit être la fin. On doit pas être loin de la fin. Ta 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 na na ta 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 ta. On a vaincu la moto. Et ce qui fait qu'on a 25 cristaux. Ça y est, on a les 25 cristaux du jeu. Ce qui signifie qu'on va pouvoir battre le boss final. Qui n'est d'autre que Néocortex. Mais avant ça, petite sauvegarde. Sauvegarde. Tac, on a combien? 47%. Ouais. Il y a encore des bonnes parties des gemmes et puis toutes les reliques à avoir. Sans compter les niveaux bonus. Allez, c'est parti. Néocortex. Le fameux rire diabolique. Toujours. Ah, désolé. C'est la partie où je suis censé être furieux, débordant de rage, dans une colère noire. Une fois encore, tu as été plus fort et plus malin que mes meilleurs hommes. Je devrais être plutôt énervé. Et en fait, nous sommes furieux. Mais on dirait que tu as oublié un petit détail, espèce de petit livreur orange. Maintenant que tu as rassemblé les cristaux, il ne nous reste plus qu'à les récupérer. Bien essayé, Oukaouka. Allez. Bon, il est pas exceptionnel, mais voilà, il est sympa. Crash Bandicoot, pour la dernière fois, donne-moi les cristaux. Il est toujours mieux que le boss final dans Crash 2. Quoi. Ah, puis cette musique. Après c'est quoi? Ah oui, c'est la tornade. Non. Tombe. Voilà.
Et voilà! Putain, je l'ai one shot quoi. J'ai first try. Chaussures de vitesse. Et voilà, ça va me permettre de d'avoir les reliques. Pour courir plus vite, maintiens la touche R2 quand tu cours. Ça s'est super bien passé. Ah oui, la meilleure meilleur dialogue. Encore vaincu. C'est trop injuste. Je devrais prendre ma retraite au bord d'une belle plage avec un énorme cocktail et une femme avec de bons gros sacs de glace pour ma tête. Ouais. Ce n'est pas encore fini, Bandicoot. Il reste encore des gemmes. Ouais, Oka nous dit clairement qu'il y a encore les gemmes. Parce que là, on a eu simplement la fin, je veux dire, la fin normale. Évidemment, une fois qu'on aura récupéré toutes les gemmes, on aura la vraie fin du jeu. Mais voilà. C'était le boss final de Crash 3. 3% de batterie, bah voilà. Parfait. On finit juste à temps. En vrai, il est quelle heure là? 22h05. Ah, je sais pas. Je sais pas si je joue encore un petit peu pour faire les reliques. Un peu de reliques. Meilleure musique ça. Mais oui, il reste encore toutes les reliques à avoir, donc les reliques qui sont obligatoires pour le 105% et pour débloquer les 5 niveaux bonus. Voilà, les 5 niveaux bonus. Je me rappelais plus qu'il y avait autant de monde sur ce jeu. À 18, donc 22 ans. Ça ne rajeunit pas. Du coup, je vais revenir. Ouais, c'est ça. Je vais revenir. Dernier monde. Bon, bah, dernière petite sauvegarde. Et puis, YouTube, à la prochaine. Hein. À la prochaine, on va commencer. Dès la prochaine VOD, à récupérer les reliques. Il va falloir speedrunner un petit peu. Allez, à bientôt. Hein. Des bisous.